montrer ce que je fais. Il y a longtemps que je faisais ça et puis je me suis un peu arrêtée. Alors, j'ai pris des petits pots en terre cuite. J'ai mis de la bougie à l'intérieur. Quand la bougie a été prise, j'ai mis dedans des huiles essentielles. Celle-là est à la papaye et mango. Alors, et la mangue. Voilà, papaye et mangue. Dessus, j'ai peint en blanc. Là autour, j'ai mis de la colle et je l'ai trempé dans des paillettes. J'en ai partout. Là autour, je fais un petit nœud. Hop. Voilà. Avec mon petit appareil. Voilà, je le sors, je ne le coupe pas, je le laisse sur le rouleau pour l'instant. Avec mon pistolet à colle, je viens mettre un petit peu de colle là. Je pose mon petit nœud dessus. Voilà. Et je colle le reste du ruban là sur le côté. Mon pistolet, faut qu'il aille jusqu'au moment où je vais aller me coucher, hein. Pénible ça. Non mais je veux pas travailler. Voilà, je vais pareil de l'autre côté. Et là, je coupe. Pas de déchets, rien du tout. Celui-là, je le laisse comme ça. Et je vais en faire plus. Et j'en ai fait plusieurs. Voilà. C'est simple comme bonjour. Alors après, j'ai fait dans des décorations. Là, j'en ai fait en rouge. Là, j'ai mis dans une petite assiette que j'ai achetée de ce format-là. Voilà. J'ai mis un petit banc en bois avec de la neige dessus, un petit sapin, et ça va venir ici. Voilà. Après, le restant de la décoration, je ne vous le montrerai pas, parce que c'est personnel. Alors là, j'en tire pas trop, parce que ça ne sert à rien que j'en mette de trop. Voilà, la bobine qui veut se faire la malle, ça m'énerve. Là, lui aussi, il veut se faire la malle. Alors, un petit coup de pistolet. Oui, le four, je sais, tu es prêt. Ben oui, mais moi je suis pas prête. Pas vrai, j'ai fait décongeler mon repas. Une petite décoration fantasy, toute simple. Les petits pots, on les trouve dans toutes les jardineries. Hein. Moi, je les ai commandés sur Internet. Voilà. Un deuxième. Alors, j'en ai fait combien? 5 en rouge. Je vais en faire 6 rouges et 6 verts. Alors 3. Là, vous avez vu comment on fait. On se croise, on vient passer dessous. Hop, au milieu.
Et là, on fait un nœud. Alors là, il me faut quand même un petit peu que je puisse tourner autour du pot. Petit, petit, petit. C'est la fin de la journée. Je viens le poser là. Et c'est vite fait. Hein. Bon, mais tu veux aller partir dans ce sens, pars dans ce sens. Je vois aucun inconvénient. Pour ainsi dire, moi, mes décos de Noël sont presque toutes faites, donc ça, c'était pour m'amuser. Et puis, les filles veulent en faire pour les décos du mois de janvier. Donc, on les avait achetées avant le confinement, mais comme les ateliers se sont arrêtés, ben maintenant, les pots, on les a, donc il va falloir les utiliser. Hein. Sinon, on les fait pour l'année prochaine. Hein. Ça sera fait pour Noël 2021. On se casse pas la tête. Que cette année confinement aura eu en effet de nous perturber dans nos programmes, notre programme. Voilà. Mais bon, on fait avec, comme tout le monde. Je vais commencer par marquer les prénoms autour, parce que ça ne me plaisait pas, alors je les ai enlevés, j'ai repeint par-dessus. Là, pour pas qu'on le voit, du coup, j'y mets des rubans. Et là, l'idée n'était pas mauvaise de mettre les rubans. Oui, il est bien long, lui. Hein, lui, par contre, je vais le couper un peu. Parce que quand même... Bon, ben ça passe sorti. Il ne veut plus marcher. Oui, c'est éteint. Il ne veut plus marcher, mon pistolet. On fait une crise de calcaire. Ça va pas, ça. Alors, j'avais fait papaye, mangue et lavande. J'en avais trois, mais finalement, j'en ai fait que deux. Parfum, parce que je les reconnais au style de la bougie. Bon, je vais te rallumer, toi, hein. Il n'y a pas à tortiller, il faut que tu finisses de travailler. Tu veux pas, tant pis. C'est moi que je commande. Tu fais pas comme tu veux, tu fais comme je veux. Oh. J'espère que vous allez bien, que ces fêtes de fin d'année commencent à se préciser pour vous. Il fallait que je regarde les infos ce soir, savoir si, parce que le virus gagne du terrain, si on ne va pas nous reconfiner. Alors là, j'en ai 6. Maintenant, celui qui me reste, il faut que je le fasse en rouge. Hop.
Comme ça, j'en ai 6 de chaque. Si jamais je les vendrai l'année prochaine, ils seront faits. J'avais acheté les rubans, j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour faire. Finalement, on n'a rien fait. C'est pénible. Alors, le matériel me reste sur les bras, mais bon. Ça servira l'année prochaine, mais en attendant, c'est de l'argent qui dort. Voilà. Alors, j'ai des difficultés pour vous envoyer vos colis pour celles qui ont gagné comment ça s'appelle? Le concours des 1000 abonnés. J'ai un petit souci. C'est que le site de la poste sur internet a été piraté. Et j'ai chopé le virus. Total, je ne peux plus faire mes envois par internet. Alors, ça me gonfle. Mon fils a passé une heure l'autre jour à essayer de débloquer le truc. Non, je ne débloque pas. Donc, je le fais au compte-gouttes, mais je le fais tous les jours, j'en fais un. Je ne peux pas en faire deux. Il y en a un qui passe, mais pas les autres. Et ceux de la France, ça passe, mais pour l'international, ça ne passe pas. Alors, je suis bien embêtée. Voilà. Et ben voilà mes petits pots en rubané. Regardez si c'est joli. Rouge. Un rouge et vert. Bon, là, je vais rajouter des petites étoiles. Parce que je vois que j'ai mes étoiles, elles se sont carapatées. J'ai de la perle partout. C'est des petites perles que je mets là autour. C'est des petites perles microscopiques. C'est pas des perles avec des trous. Alors j'en ai fait 12. 5 rouges. 5 rouges. Et 6 rouges et 6 verts. Voilà. Enfin bref. Voilà, ben, si ça vous amuse, ça peut vous donner des idées. Voilà. Bon, ben écoutez, là-dessus, je vais vous laisser. Je voulais juste vous montrer ça, parce que pour moi, c'est terminé, là. Après, j'ai les décorations à faire dans les assiettes, mais c'est personnel, donc je ne vais pas le faire en tuto. Et puis ça, oui, il faut que je prépare quelque chose et que je lui demande son adresse. Et puis, quoi encore? Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Je ne sais plus. J'ai d'autres choses. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ah, j'aurais une information à vous dire. Oui, parce que il y a une personne sur mon tirage des 1000 abonnés. Il y a une personne qui ne m'a pas répondu pour me donner son adresse. Mais je ne vais pas la relancer. Et je ne vous dirai pas qui c'est. Le colis, je le garde. Il servira pour un autre concours. Tant pis pour elle. Là, ça fait plus d'une semaine que le tirage est fait. Elle n'a pas répondu. C'est tant pis pour elle. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien. Protégez-vous. Bonne soirée.